Les amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur le lien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois sur Paris. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis certain que sur ce canal-là, précisément, on va faire un milliard de découvertes. Je suis pas venu seul, je suis venu avec Alex. Il est déjà en train de pêcher. Let's go. Nous, on est parti pour faire des découvertes de ouf. Oh, c'est petit, si c'est il y a quelque chose d'aimanté, des algues, ou... mais c'est petit. Ah ouais, tu vois, c'est pas gros. Oh. Ah bah écoute, c'est malgré tout quelque chose qui n'a rien à faire sous la flotte. Ah. Ah. Allez, 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 allez. Oh, oh non, c'est un gun. Ah ouais. Regarde. Ah ouais, il y a la gâchette. Et ça, c'est un sacré gun. Hein. Mais c'est quoi? C'est avec le chargeur sur le teco là. Mais non. Il manque juste la crosse. T'es sérieux là? Ouais. Alex. C'est ce qu'il y a sur Call of, les premières. C'est quoi ce gun là? C'est Thompson, non? Non, pas Thompson. Hein? C'est une arme ça qu'il y a sur Call of? Ouais, ouais, les premiers. Chargeur sur l'autre côté, je sais plus ce que c'est. C'est une mitraillette? Oui. Ouais. Eh ouais, monsieur! C'est une mitraillette, non? Attends. Non, mais. Bon, bah... ouais, comme ça, voilà, ah chargeur ouais, sur le côté. Comme ça, là, et t'as le chargeur là. Exact. C'est ça? Ouais. Ça se restaure ça, Lolo, tu vois? Oula. T'as vu, t'as encore le ressort là. Ah ouais? Et t'as même une bille dedans, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a plein de trucs dedans, Lolo. Regarde, je sais pas si t'arrives à voir. Ah ouais. À la lumière, il y a des boules dedans. Oh, c'est une belle découverte, ça, quand même. Ouais, pas mal. Ah, et ça va aller dans mon sac. Je vais garder la truelle, la truelle de Manuel. Et la mitraillette, en fait. Je regarderai, on regardera sur internet. Regarde sur internet et dis-moi en commentaire exactement ce que c'est comme mitraillette. Parce qu'il est probable qu'il y ait le reste juste là, quoi, en fait. Oui, non, le reste, il manque juste la crosse. La crosse. Et c'est en bois, donc tu l'auras trop. Y a pas un canon, là? Ah, peut-être. Je sais pas, j'en sais rien. C'est génial. C'est là qu'il faut filmer, Lolo. Allez. Lolo, c'est une arme. Non, c'est pas ouais, une dague. C'est, une arme. C'est pas une dague. Ah non. Non, putain. Ouais. Mais non. Alors, j'ai un cadenas. C'est le truc de X-Men. Oh, putain. J'ai cru que c'était une dague, en fait. Mais non, c'est une chevillette pour la maçonnerie. Pour coffrer, tu veux faire du coffrage. Avec du coffrage pour coffrer du béton. Ben c'est ça, et le cadenas c'est pour fermer ta gueule. Exactement. Elle est pas bonne celle-là? Elle est pas mal. Oh là là, putain, ça y est, j'ai mangé un clown. Dans les commentaires, ça va être écrit, c'est exactement ce que tu devrais faire, Chris. Que je ferme ma gueule? Oui. Ah, connard. Dans un sac. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est là où j'ai fait la mitraillette, Lolo. Oh, bah. Ah, ça va tout avoir. Hein. Eh ben alors. C'est énorme ça, c'est génial. Comment ça réagissait au fond de l'eau ça? Ça faisait comme ça là. Je fais bien la plaque au fond de l'eau ou pas? Je fais bien la plaque. Je fais bien la plaque. Hein. Et malgré tout, ça n'a rien à y faire quoi en fait. Donc ça va là. Et on est tombé sur ben, quelqu'un qui passe sur le bord du canal et qui a réussi à identifier la mitraillette. C'est une vraie mitraillette. Moi, au début, je pensais que c'était un cloueur. Ah non, non. Mais non, c'est pas un cloueur. Non, non, c'est du coup, c'est une Sten. Alors, vous mettez le chargeur ici, le magasin ici. Ouais. Et en fait, c'est des armes qui ont été parachutées du coup. Alors, je sais pas pour celle-ci, hein, mais c'est des armes qui étaient très utilisées par la résistance. Aujourd'hui, un peu plus par le Ah, mais ça y est, je vois les images dans ma tête maintenant que tu ça, me dis. Ça se tient comme ça. Vous avez deux possibilités. Avoir soit une crosse pistolet, donc sur la marque 2, c'est une crosse pistolet okay. Qui part comme ça. Ou alors crosse épaule. C'est ça. Et en fait, c'est un truc, en général, c'est du coup une grande tige de métal comme ça. D'accord. Ça fonctionne à culasse ouverte. Donc en fait, c'est littéralement un gros bloc que vous reculez. Jusqu'ici. Là, c'est le ressort qu'on voit là. Ah, et les billes qui à l'intérieur, c'est quoi? Ça. Ah, c'est peut-être des moules.
Non, c'est des moules. C'est des coquillages, ouais. C'est des coquillages. C'est des coquillages. Ah, je crois que c'était des masses. Et là, vous avez une grosse masse percutante avec un percuteur. Et en fait, ça vous tirez ça. Là, vous avez la sécurité, entre guillemets. Okay. Vous venez le bloquer ici. Et en fait, pour le débloquer, vous venez le mettre en arrière. Là, vous avez que des tentes, vous appuyez, ça part. Et en fait, ça emmène une cartouche. J'ai une question d'après toi. Est-ce que tu penses qu'on peut la restaurer en l'état? Ouais, bah, c'est-à-dire que là, je pensais que c'était un trou. Et c'est pas un trou, c'est la sécurité pour non, la... Non, ouais. Alors, elle est bien rouillée. Bah, si elle est dans l'eau depuis 70 ans, ouais, je pense qu'elle a cramé. Hein. Là, déjà, en l'état, il n'y a pas le canon. A priori, il n'y a pas le canon. Ah, c'est bien ce que je dis, il manque, ouais, un cruc, là. Il manque le canon, il manque du coup le comment ça s'appelle le silencieux. Non, c'est le couvre-canon, du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ok. Bon, c'est une pièce qui se visse. Il n'y a pas le chargeur, mais en dehors de ça, ouais, je pense qu'elle est... C'est restaurable. Ouais, on tirera pas avec, mais... Non, je veux pas tirer avec, je veux juste lui donner une seconde vie. Non, ouais, ça fait... Moi, ça me touche, en plus, tout ce qui touche à la Seconde Guerre, moi aussi, je trouve ça génial. Et si on peut lui donner une seconde vie, ce serait vachement bien. Non, ça peut être cool. Une mitraillette dans Paris, mais mec, c'est... joli pistolet mitrailleur. Ouais. Ouais. Seconde Guerre mondiale. Franchement, je te remercie grandement. Par contre, j'ai pas le savon. Je vais me rincer les mains. Monte tes mains à la caméra. Voilà, super, bravo. Il a des mains vraiment crado. Je te remercie de ton intervention. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et je m'endormirai moins con ce soir en fait. Une Sten Mark 1 ou Mark 2. Ouais. Écoute, c'est pour ta culture, normalement, c'est du 9x19 le calibre. D'accord. Donc, c'est ce qui est utilisé notamment dans les armes de poing de la police. Alors, comme je l'ai trouvé là, il est probable que je trouve le reste. Pas ou alors, peut-être, ouais, qu'elle a été jetée, qu'elle n'était pas entière. Alors, moi je te dirais le contraire parce qu'a priori, il y a la culasse. Ouais. Regarde. La culasse, c'est pas compliqué à retirer. Ici, tu vois, t'as un ergot. Ouais. Normalement, cette partie-là se soulève et en fait, tu peux sortir le bloc culasse et le ressort. D'accord. Donc, si ça n'a pas été démonté, possiblement, t'as les autres pièces quelque part par là. Oh, viens, on va aller chercher. Tu veux pas plonger, non? Non, ça va aller. C'est bien habillé tout en blanc. Oui, c'est bien là comme ça. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie de ton intervention. Oh, bah, je t'en prie. Tu veux te mettre à genoux, te laver les mains, tu peux. Hein. Je crois que tu vas être obligé. Je vais être obligé, ouais. Merci beaucoup, mec. Bah, je t'en prie. Mais non, ah, une petite pochette. Mais non, Lolo. Attends. Là-bas. Mais non. Oh, regarde. Ah, il y a des pièces. Il y a de l'argent dedans. Oh, regarde. Il y en a encore. Il y a des clés là-bas. Y'a de quoi payer un café, Alex? Oh là là! Eh, c'est les clés du coffre, ça, non? C'est les clés de la Casbah. Y'a des sous dedans. Y'a 2, 4, 5, 6. Ah ouais? Et y a presque 10 balles, en quoi. Ça s'aimante pas les pièces. Ça s'aimante très très mal les pièces de 1€ et 2€, mais y'a presque 10 balles dedans. Plus les clés du coffre, plus la pochette Gucci. Il pense à y piler. Ah, mais attends, on n'a pas fait. On n'a pas fait le reste de la pochette Gucci, Lolo. Hein. Oh, il y a des... Regarde. Il y en a encore là. Ça a été volé, ça. Ben, je pense, hein. Allez, viens, on fouille. Là, il y a R. Ah, allez, encore une. Et au fond... Bizarre, hein. Eh, hey, c'est pas trop cool, c'est pas une super découverte, ça? Ouais. Ah, c'est génial. Mais il y a un truc en carton dedans, Lolo. C'est cartonné, là. Ah, c'est le fond, peut-être. C'est bizarre, moi, je dis, c'est bizarre. Il y a un truc dedans. Non, je déconne. En fait, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire. Il y a la marque, c'est du... Calvin. Ah, oh, c'est avec... Bah ouais, Calvin Klein, regarde. Hop. C'est une pochette Calvin Klein. Tu vois, je t'avais dit Gucci, ben, ouais. C'est Calvin Klein. Ça vous dit, là, Calvin Klein ou pas? Je vous en fais cadeau. Bah, passez à la machine à laver, c'est cadeau, non? Si vous la voulez vraiment, je vous donne les 7€ ou 8€ qu'il y avait. Ok, d'accord. Il n'en veut pas. Moi non plus, j'en veux pas. Ça part à la benne, ça. Par contre, les euros... dans ma poche, mec. Regarde tout... Ah, oh, putain, ça s'est recollé dessus. Alors ça, je suis content. Mais voilà. Allez. On va manger.
Et c'est énorme. C'est énorme. Paris, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment, vraiment, c'est complètement ouf. Parce que là, oh, t'as le pied sur la corde. Tu fais chier, hein. Tu m'as cru ou pas? Non. Non, ça pas. Oh putain, c'est lourd. Oula, tu le tiens, mais... Oh putain, c'est un bloc de béton avec une... Tu m'étonnes. Je comprends que j'arrivais pas à l'avoir. Hein? Tu m'étonnes que c'était lourd. Mais ça, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que la barre de fer... Non, merde. Ça n'a rien à faire sous la flotte, ça, quand même. Truc de fou, quoi. Ouais, bon, on vous remercie, hein. Et monsieur, on voit la différence entre le Beast et le Barbarian. C'est ça. Et là. Désolé, on n'est pas équipé pareil. Regarde. Je pense que c'est un des disques des anneaux des JO, des Jeux Olympiques, qui s'était perdu dans le canal. Viens, on le ramène au Comité National Olympique. Ils vont être contents. Et on leur dit, on a trouvé un de vos anneaux. Il est un peu crado. Et moi, tu sais ce que je crois que c'est, Lolo? Un disque de frein. Ou d'embrayage. Disque de frein, peut-être, t'as raison, j'en sais rien. C'est absolument pas reconnaissable, là. Mais bon. Je sais pas, t'as vu tout ce qu'on a trouvé dans le canal? Ouais. C'est juste un truc de fou. Sur 20, 25, grand maximum 30 mètres. Et on va pas loin, on reste vraiment au bord. T'imagines si on faisait la totalité du canal? T'imagines le coup de main dont on a besoin pour réussir à tout dépolluer? C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, dans cette vidéo, chaque lancée, Lolo, je sais pas si tu te rappelles, chaque lancée, une découverte. Chaque lancée, une découverte. Mais pour ça, il faut quand même, malgré tout, tu vois... Drainer. Faut drainer, promener ton aimant. Donc là, on fait promenade. Tu vois, et je sens qu'il y a des, tu vois, je sens qu'il y a des trucs qui... Vas-y, viens, on regarde. Voilà, tu vois. Ouais. À chaque lancée... Il y a un truc. Un truc. Oh, ben attends. Ah, je croyais une bougie de voiture. Non, ça, c'est un ressort. Une plaque de fer qui va là-bas. Oh. Ah, c'est le cache de moto, ça. De moto? Ouais. Ça a été découpé là, Lolo. À bout de voiture. Ça a été découpé là aussi, hein, tu vois quoi? Ouais. Oh. On a trouvé des bouts de ceinture de sécurité tout à l'heure. Ah, c'est peut-être ça. Vouloir dire que... Il reste de la voiture. C'est un passage de roue, c'est quoi? J'en sais rien en fait. Mais bon, c'est une méga surprise, c'est juste, ces canaux, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Sur 30, allez, maximum 40 mètres, et sur 2 mètres, tu vois, ça fait 80 mètres carrés. Le nombre de mètres qu'on a pu sortir, c'est impressionnant, hallucinant. Les amis, vous avez vu dans cette vidéo l'intégralité des objets qu'on a pu trouver. En l'espace de quoi? On est resté une heure, Lolo. En une heure, on a trouvé un milliard de choses, dont... une Sten Mark 1 ou Mark 2, je ne sais pas encore, je vais aller regarder sur internet, je vais essayer de la restaurer, de lui donner une seconde vie, il manque des pièces détachées. Si tu es en possession de pièces détachées, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, bah Chris, j'ai des pièces détachées pour Sten Mark 1, Mark 2, si tu veux la restaurer, il n'y a pas de problème, je te les envoie. Moi, c'est avec grand plaisir que j'essaierai de donner une seconde vie à une arme de la seconde guerre, parce que j'adore ça, et ça me touche vraiment profondément. En attendant, je vous dis à une autre vidéo, sous un autre pont, vers d'autres cieux, dans une autre ville, autour de la pêche à l'aimant. Ciao !